Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine. Écoute, aujourd'hui, mardi, il nous reste 2 jours là, pour profiter des spéciaux de cette semaine, parce que vraiment, on est super de beaux spéciaux. Puis je regarde la semaine prochaine, là, c'est vraiment moins bien que cette semaine. Cette semaine, là, on a beaucoup de diversité, des vrais spéciaux. En plus de ça, c'est intéressant. J'en ai dénoté quand même 10 là, qui ne reviendront pas la semaine prochaine. Il y en a plus que ça, mais bon, 10 vrais rabais là, qui vaut vraiment la peine. Donc, commençons tout de suite avec le numéro 1. Écoute, chez IGA, les crevettes, la caisse, je l'ai acheté déjà, là, la caisse de crevettes, là, des sacs, 6 sacs de 2 livres, de 908 grammes, qui reviennent à 15 piastres le sac au lieu de 27 piastres le sac. Écoute, c'est sûr que la caisse te coûte 75 piastres, hein, 74,95. Mais ça vaut la peine, parce que là, tu n'as là, des crevettes, puis tu peux en sortir juste quelques-unes. Hein? Tu n'es pas obligé de manger le sac à chaque fois. C'est pas ça qu'on fait. Moi, ma femme, là, un demi-sac, vendredi soir, là, souvent, on se fait ça avec du riz ou une petite salade. Là, c'est facile au bout. Puis c'est tellement bon. Là, c'est délicieux. Tu peux le faire mariner, tu peux les faire au salé poivre, tu peux les faire après se tremper dans une petite trempette. Écoute, tellement de choses qu'on peut faire des crevettes, ça n'a pas de bon sens. À ce prix-là, ça arrive une fois là, aux 3 mois. Là. Puis là, c'est là que ça se passe. Donc, écoute, profite-en parce que c'est sûr que la semaine prochaine, il n'y a pas cette caisse-là en spécial. Tu peux oublier ça. Ça, c'est sûr. Le numéro 2, écoute, les saucisses cocktail. Je ne suis pas un fervent à la saucisse cocktail, encore moins des saucisses hot dog. Là. Mais quand même, hein, tu sais, c'est 10 paquets. Ça coûte 15 piastres, là. Tu as 10 paquets de 225 grammes, ça te revient dans le fond à 1,5 piastres le paquet. Ça vaut 2,29. Il marque 1,99, mais dans le fond, dans le vrai prix, c'est 2,29 que ça coûte ce petit paquet-là. Donc, à 1,50, là, tu sautes un 30% là, tout de suite en partant en achetant. Puis ça, c'est sûr que c'est tout sous vide, donc ça se garde longtemps. Tu peux les faire congeler aussi si tu veux. Puis là, les fêtes arrivent, puis souvent, on invite, là, puis on fait des genres de brunch, hein, des petits sandwichs, des salades, des petites saucisses cocktail, toujours intéressant, ou des petites pizzas. Souvent, quand on va dans les places de main, c'est ça qu'on vise. Hein, où sont les petites saucisses cocktail, les pizzas aux tomates? C'est ça qu'on veut, là, pas les sandwichs aux œufs. Mais quand on veut la diversité, là. Fait que ça peut être intéressant, puis vraiment pas cher. Donc, écoute, c'est chez IGA que ça se passe cette semaine. La semaine prochaine, il n'y a pas ça en spécial. Ça, c'est sûr. Aussi, écoute, le numéro 3, les charcuteries paysannes. Écoute, la charcuterie. Ça reste la charcuterie, mais pour faire les petits sandwichs, les dîners, les lunchs, c'est sûr que c'est intéressant. Puis 500 grammes là, pour 195, quand ça vaut le double, bien là, c'est intéressant. Puis il y en a plusieurs sortants. Hein, tu le sais, il y a le paysan, c'est la marque, mais tu l'as à l'ancienne, je veux dire, ou Forêt Noire, tu as même aussi la dinde pressée. Ça, j'aime bien ça, la dinde. Ça fait différent que, hein, ben, c'est sûr que tout ça, c'est très salé. Il faut faire attention. Il ne faut pas manger ça toute la journée, ça, c'est sûr. Mais d'avoir dans la maison, ça peut être vraiment indépendant. Ça, c'est certain. Le numéro 4, écoute, les ailes flamingo. 800 grammes là, pour 5,78. Ça, c'est vraiment un bon prix. Meilleur prix qu'on a vu, tu le sais, c'est 4,99. Donc, à 5,78, ça, c'est chez Maxi pour les ailes de flamingo. Si tu cherches des ailes, c'est vraiment la place cette semaine, parce que la semaine prochaine, il n'y a pas ce prix-là, ça, c'est certain. Le numéro 5, écoute, le bacon, 500 grammes, le président, le choix du président, ça, c'est vraiment une belle qualité. Vraiment, je l'ai acheté, là, 3-4 paquets, là, à 3,96, parce que ça se garde, ça, là. Écoute, ça se garde facilement dans le frigo, puis si tu veux, tu peux même mettre dans le congélateur. Puis à 3,96, bien, c'est pas cher pour une belle qualité comme ça. Vraiment, là, j'ai hâte d'y goûter, parce que habituellement, je prends du de la fleur ou celui-là en spécial, là, les sélections. Puis celui-là, c'est rare qu'on le prend en spécial. Cette sorte-là, je parle, de bacon. Fait que, mais je l'ai regardé, il a l'air vraiment beau, là. J'ai hâte d'y goûter. Fait que, écoute, il n'y a pas la semaine prochaine, ça, c'est sûr, de ce bacon, de toute façon, en spécial. Mais il y en a spécial, mais pas celui-là, ça, c'est sûr. OK? Le numéro 6, bien, l'osso beaucoup de porc. C'est sûr que c'est pas un rabais qui vient à chaque semaine. Et avec la semaine prochaine, il l'a pas, c'est sûr. À 3,99 la livre, ou tu peux faire 8,80 le kilo pour de l'osso buco de porc. C'est sûr que c'est très intéressant. Le numéro 7, écoute, les côtes de flan. La semaine prochaine, ça va être les côtes de dos à 3,99 la livre. Mais là, si tu veux des côtes de flan pas chères à 1,99 la livre, ben, c'est chez Provigo que ça se passe encore jusqu'à demain soir. C'est intéressant. Puis tu as aussi la longe là, de porc à 1,99 la livre aussi, où tu peux faire 4,39 le kilo. Donc, c'est intéressant là, pour ces deux protéines-là. Puis c'est chez Provigo que ça se passe. Le numéro 8, écoute,
Le porc haché extra maigre. Ça, c'est intéressant. 1,99 la livre, ou tu peux faire 4,39 le kilo. Si tu as l'intention de faire des tartes, des tourtières ou peu importe, c'est sûr que c'est une belle protéine à avoir, pas cher. Puis c'est goûteux, c'est vraiment intéressant. Tu mélanges cette viande-là avec du bœuf haché maigre ou mi-maigre, par exemple. Ça peut te faire tout un mix de viande là, assez fantastique pour te faire, si tu veux, des saucisses ou des boulettes spéciales ou des sauces ou là, des tourtières, là, name it, là. Il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit quand je pense à du porc haché extra maigre. Là. Mais écoute, il n'y aura pas la semaine prochaine en spécial, c'est sûr. Le numéro 9, écoute, les cubes de bœuf à ragoût. La semaine prochaine, il y en a à 11$ le kilo. Ils mettent ça en gros spécial, 11$ le kilo. Pourtant, cette semaine, il l'a à 8,80$ chez Super C le kilo. Ou si tu préfères 3,99$ pour des vrais bons cubes de bœuf à ragoût qu'appelle. Donc, c'est des plus gros. On peut se faire avec ça des brochettes, on peut se faire un pepper steak. C'est vraiment une belle qualité. Déjà tout paré, tout prêt. Il reste qu'à prendre les cubes et les mettre direct dans le poêle. Les faire saisir, puis après ça, tu les mets dans une sauce ou tu les mets au four pour les finir. Écoute, c'est vraiment fantastique. Puis la semaine prochaine, mais il n'y a pas ça. Mais il l'a, mais plus cher. OK? Fait que là, tu le sais. Le numéro 10, bien écoute, des ailes de poulet cette semaine, vraiment, il y a des ailes de poulet. Il y a Flamingo hein, à 5,78 comme je t'ai dit tantôt, chez Maxi. Mais les ailes de poulet, la cage, là, c'est quand même une classe supérieure. Il faut l'avouer, là. Ils sont plus chers, à 6,88. La boîte est plus petite, mais sont meilleures. Qu'est-ce que je te dis? La recette est meilleure. Les ailes sont mieux parées. Hein, ils ont moins de gras dessus, sont plus belles. Vraiment, tu vois qu'il y a un petit souci là, qui a été mis sur ces ailes-là qui fait la petite différence. Quand on goûte aux deux, là, c'est sûr qu'on le voit. On ne peut pas faire autrement que le voir. Mais quand même, ils sont un peu plus chers aussi. Mais cette semaine, à 6,88 à la cage, super. Ben écoute, c'est ça qui est ça cette semaine. Fait que je te conseille vraiment pas d'acheter tout ça. Là, hein? Mais d'en profiter, ne serait-ce qu'un ou deux rabais là-dedans. Là, tu dis, OK, là, je vais aller chercher, j'en ai plus, puis il n'y en aura pas une prochaine. Fait que je vais être obligé de m'en passer, comme par exemple des charcuteries ou quelque chose comme ça. T'sais, fait que profite-en au maximum. Écoute, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.